Départ, 2 minutes, merci. Tout se passe bien, monsieur Bradin. Tout se passe bien pour l'instant. Ravitaillement libre donc, et pour tout le reste, c'est la zone technique. Ah, véritablement, sans voix. Et je vous dis pas, si la terre avait été sèche, eh bien, on aurait eu davantage de fumée. On est manifestement déterminé. Ça a bien passé? Oui, super. Bon. Parfait. Ça vous a plu? Oui. Ouais, super. Alors, ça vous a plu? Ouais, ça nous a plu. C'est un camion, camion. Non, pas. On va prendre le futur petit vététiste. Le petit vététiste. C'est qui a pédale. Oh, mais autant, si c'est comme le père. Ouais, si c'est comme la famille, c'est sûr. Hein. Alors, ça va? Mmh. Ouais. Alors, elle n'a toujours pas été demandée, cette petite GDM, sinon elle sera mise aux enchères au profit du club. L'équipe, les plaques, il n'y a pas de raison qu'on perde l'argent aujourd'hui. La caisse, avec la nouvelle et l'ancienne trésorière. Elle sera un peu moins sévère que la nouvelle, je pense. Ça dépend. Et comme tous les VTT, eh bien, une ambiance bon enfant, une ambiance détendue, avec bien sûr, eh bien, ces rendez-vous, mais ils sont festifs, avec du sucré, avec du salé, avec des boissons, tout ça, c'est à l'entrée. C'est du côté de la mer. Sonia, spécialiste de la frite. La reine de la frite. Une chose est certaine, c'est qu'on allait, on a passé la barre très très haut et on est allé très très vite. Avec Thibaut Kaileven, avec Merci Bondé, le second de Dijon, le premier de Messaïro. Allez Franck! Et on donne de la voix, je suis tenté de dire qu'il y en a pratiquement partout ici, bien sûr, c'est vrai qu'on n'a pas le même âge, mais on a regroupé tout un ensemble de populations. Avec Céline Boutonnet. Ah, la popularité, on entend des « Allez papa hein. » quand il tire les oreilles, on l'aime pas, quand il est sur le vélo, on l'encourage. Allez, on tente la voix aujourd'hui, on a le droit, on est argentin, on est un petit peu envie à la campagne, on peut faire du bruit bien sûr à la podimètre, je suis convaincu qu'ils apprécieront. C'est vrai qu'ayant été sportif dans le passé relativement ancien, on était fou en quelque sorte des applaudissements, rien de plus motivant.